Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont je suis très contente puisque ça fait plusieurs mois que je n'ai pas pu la faire. Il s'agira d'une ouverture de Twinny Box. La Twinny Box est de retour, on a mis un peu beaucoup de temps à la faire pour diverses raisons, mais ça y est, c'est de retour. Le thème de cette Twinny Box, c'est anniversaire, donc il y aura un petit peu de tout. Et en même temps, cette fois-ci, on a décidé toutes les deux de recycler des produits qu'on avait chez nous pour l'offrir à l'autre où on pensait que ça pourrait lui faire plaisir, lui plaire, que nous ça ne correspond pas forcément ou on n'en a pas l'utilité. Du coup je pense que ça va être assez sympa. Je vais pas tarder, on commence maintenant. Je sais que j'ai 2-3 petites choses dans ce petit sac. Alors, première chose que je pêche, jeu de mots pourri vous allez me dire, vu ce que je vais présenter, ceci, c'est une pêcheresse. Si vous ne savez pas ce que c'est, la pêcheresse, c'est une bière belge à la pêche. Et je suis red dingue de cette bière. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je bois rarement, mais c'est vrai que de temps en temps, une petite bière, ça fait pas de mal. Et grâce à Colline, de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline, j'ai découvert cette bière quand je l'ai vue à Toulouse la dernière fois. Et depuis, j'en suis red dingue. Et je suis très contente du coup d'en avoir une, que je ne vais pas ouvrir maintenant. Que j'ouvrirai pour une occasion spéciale, mais je suis très contente. Merci Twinny. Ensuite, ce que j'ai pêché, c'est cool. Je crois qu'elle en a parlé sur Snapchat il y a pas longtemps. C'est une brosse à dents Humble Brush Soft qui est vegan, naturelle et organique, comme ceci, pardon, je vous ai même pas montré, qui est 100% recyclable. Oh, c'est chouette. D'ailleurs, en plus, il faut bientôt que je change la mienne, qui n'est pas du tout recyclable, mais pour le coup, ça me permettra de tester les brosses à dents recyclables. Et ensuite, ce que je pêche, c'est 2 cartes. Donc, une première carte qui est trop jolie, marquée Happy Birthday. Donc, si vous ne savez pas, Marie et moi sommes nés à 1 semaine d'intervalle, donc voilà. Et celle-ci, Let's just pretend this was one time. Merci Twinny pour les petites cartes. Je vais les mettre avec les petites cartes Twinny Box des fois précédentes. Donc pour lui, c'est fait. Ensuite, déjà premier truc, je suis hyper contente. C'était un sac à dos trop cool. Bleu, un peu holographique, mermaid comme ça. C'est super chouette parce qu'il a l'air plus solide que j'ai, qui est holographique de chez New Look. Et donc je suis trop contente parce que l'autre, je pense qu'il va bientôt me lâcher. Ça, c'est de la marque Mi et vraiment trop joli. Donc, je suis vraiment trop contente. Je suis trop contente déjà. Merci Twinny pour ce sac à dos. De chez H&M avec des petites licornes, des cupcakes, tout ça. Je testerai ça. On verra ce que ça donne. Et puis j'en reparlerai sûrement quelque part. Ensuite, là j'ai un petit vernis de la marque H&M qui est violet, vert, bleu. Un peu différent, reflet, qui est très sympa. Je testerai lui aussi. Ensuite, à celui-là, je crois qu'elle m'en avait parlé. C'est un rouge à lèvres Winky Luxe Lip Velours White Rabbit. Oui, je pense que c'est celui dont elle m'avait parlé. Ouais, c'est ça. Donc c'est un rouge à lèvres blanc qui donne ça. C'est très joli. Alors à porter tous les jours, je pense pas que c'est un rouge à lèvres que je porterai. Mais pour mes tutos artistiques, c'est très bien. M'excuserai, j'ai un peu la voix cassée. Je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. Ensuite, j'ai une miniature Youth Concentrate, la gamme Drops of Youth. Comme on dit, de chez The Body Shop. Je l'ai en plus grand et je l'apprécie. Et du coup, c'est chouette de pouvoir l'avoir en plus petit pour l'emporter. Et ensuite, j'ai des petits bonbons. C'est le genre de bonbons, vous savez, avec des petites choses écrites dessus. Je vais goûter, ok. Si j'arrive à ouvrir le truc. Le chien, là, n'avait tout. C'est bon, on y arrive. Là, j'ai le petit bonbon Lavio. Ça me fait. Ça me pique aux mâchoires. Je sais pas si ça se croque. Si, c'est un peu comme les. Vous savez, les colliers en bonbons. J'aime bien. Donc maintenant, je vais ouvrir la grande poche. Alors, je vais pas regarder. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. T'as un serre-tête licorne. Merci, Twinny. D'autres petits bonbons. Boss. Ice Robos. Ah, c'est une canette à la pêche, oui. Et je goûterai, je vais pas goûter là maintenant. C'est pour ça qu'elle voulait pas montrer sa commande Azos sur Snap. Tout ce qu'on prend. J'ai reçu des petites chaussettes licorne chez Asos. C'est avec ça. Avec un caca licorne, ça me va très bien aussi. J'ai l'impression qu'elle m'a pourri gâtée encore. Moi, j'ai même pas pensé à mettre des trucs à bouffer dans sa Twinny Box. Et je ne vais pas aussi le goûter maintenant. Ça, c'est une fraise. C'est pas mal. Oh, ils sont trop cool. J'ai eu des petits pins de chez H&M avec une licorne, un diamant et un arc-en-ciel. Tout à fait moi. Merci. Bon, je vois ce truc de passer. Encore des bonbons, mais ceux-là, je vais pas les ouvrir. De la marque toujours Ushuaïa Junior. Hop, encore des petits bonbons. J'ai un rouge à lèvres matte liquide de la marque Beauty Bakery et c'est vegan. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, je crois qu'elle m'avait parlé qu'elle a testé une nouvelle marque de cosmétiques. Oh là là, il est beau. Il a pas spécialement
d'odeur, j'ai l'impression. C'est un beau gris, très 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 joli, mais j'adore le packaging. Merci. Ça, c'est un nettoyant tomate et au charbon de chez Yes2. J'ai quasiment plus de nettoyant. Bon, je vais pas l'ouvrir alors. Je pensais que c'était peut-être ouvert pour pas pouvoir le conserver. Ah, c'est chouette ça. On m'a mis un Olaplex numéro 3 et j'ai quasiment fini le mien, donc ça tombe très très bien. Donc merci beaucoup, parce que ces trucs en plus ça coûte une blende. Ah, trop cool. J'ai un masque The Body Shop de la gamme au charbon. Vous savez, c'est le bleu comme ça. C'est super chouette parce que j'ai trop envie de les tester, leur masque de cette gamme. Ils ont l'air vraiment vraiment cool. Merci. Ah, j'ai un pinceau The Body Shop. Je sais qu'elle m'en avait déjà de trop trop cool. Jamais assez de pinceaux masques. Oh, ça c'est du recyclage, mais ça me fait trop plaisir. Elle m'a donné sa veste Galaxy que je kiffe, que je lui pique tout le temps, de chez H&M, qu'elle a acheté quand on s'est rencontrés. Moi je l'avais loupé à l'époque. Ils avaient fait une petite gamme Galaxy. Et du coup elle me l'a donné. Merci beaucoup. Je suis très 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 contente. Parce que je la kiffe cette veste. Encore des bonbons. Trop chou. Elle m'a mis un cadre avec une image avec marqué Lipstick Queen. Je suis trop contente. Merci beaucoup Twini. Les rouges à lèvres, c'est toute une histoire d'amour évidemment. Ah, je suis trop contente. J'ai une veilleuse. Une veilleuse licorne qui change de couleur. Ah, je suis trop contente. Elle est trop mignonne. Je sais pas où je vais la mettre. Puisque c'est le Beans dans ma chambre. Mais je l'ai trouvée. Elle est trop trop belle. Allez, j'ai une copine. Merci Twini. Du coup, merci beaucoup à ma Twini. Je ne cesserai de dire merci. Merci beaucoup. J'adore tout ce que j'ai eu. Et puis, je trouve ça cool qu'on inclut un petit peu de recyclage dans nos box. Comme ça, ça permet de moins consommer et en même temps de donner nouvelle vie à des produits qu'on avait à la maison et qui ne nous correspondaient peut-être pas et qui sont susceptibles de correspondre à l'autre. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel est le produit que vous avez le plus aimé dans cette Twini box. S'il y a un produit que vous connaissiez déjà, n'hésitez pas à me le dire non plus. Comme ça, je pourrais peut-être avoir vos avis. En attendant, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.